Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs! Alors aujourd'hui, concept de vidéo assez particulier parce que je vais concocter des pizzas avec des ingrédients au hasard qui m'ont été proposés par vous. Je vous ai demandé sur Insta de me donner le plus d'ingrédients qui vous venaient en tête avec lesquels je pourrais cuisiner quelque chose. En gros, je vais faire deux pizzas. Je vais découvrir les ingrédients que je vais utiliser par une pige aléatoire. Au total, je vais en piger 10. Je vais avoir le droit à un joker. Le joker va me servir à me débarrasser d'un ingrédient sur le champ. Alors, au moment où je pige un ingrédient, je vais devoir le dire à l'instant si je désire le conserver ou m'en débarrasser. Après avoir repêché ma liste de 10 ingrédients, je vais les séparer en deux pour faire deux pizzas bien distinctes. Alors, sans plus tarder, eh bien, commençons à piger nos ingrédients. Je suis bien excitée, puis j'ai vraiment hâte de voir c'est quoi les combinaisons assez étranges qu'on peut avoir. Parce qu'il y en a qui sont vraiment weird. J'ai devant moi la liste d'ingrédients qui m'a été proposée, et quand je vous dis qu'il y en avait beaucoup, c'est qu'il y en avait beaucoup. Et puis, ça part les chums, on va choisir notre premier ingrédient au hasard. Avocat! Ok, pas si pire. Deuxième. Sauce à pizza, ben non! Troisième. Ouf. Moule. Est-ce que j'utilise mon joker tout de suite? Ah, parce que j'aime vraiment pas ça, les moules, premièrement. Deuxièmement, je déteste cuisiner des moules. Troisièmement, je vois zéro ça sur une pizza. Ah non, je vais devoir m'en débarrasser. J'utilise mon joker à l'instant. C'est fait, c'est dit, il n'y a plus de retour en arrière. Je vais devoir prendre les 8 ingrédients qui se proposent à moi prochainement. J'aurai pas le choix. Les troisièmes, pour de vrai cette fois-ci. Bok choy! Pas si pire, pas si pire. Quatrième ingrédient. Cassonade! Ok! Allons-y pour le numéro 5. J'ai l'impression qu'on va avoir quelque chose de bon. Moutarde de Dijon? Pas désastreux? Sixième ingrédient. Fruit du dragon! Ok! Allez, il nous en reste 4. Pour l'instant, ça va bien. Crème? Crème? Qu'est-ce que je préfère avec la crème? Ok, il en reste 3. Huitième ingrédient. Poivron vert! Ça va! Moi, je vois déjà une petite pizza all dress se former. Numéro 9. Des dates. Ok, je vais essayer de faire quelque chose. Pas sûr, pas sûr. Le dernier, non le moindre. Clémentine! Hey, c'est vraiment pas désastreux. C'est peut-être un peu dommage parce qu'on a zéro protéine, mais je pense être capable de faire quelque chose avec ce que j'ai. En fait, je suis pas sûre. J'ai tellement bien fait d'utiliser mon joker sur les moules parce que j'aurais pas su quoi faire avec. Fait que je vais aller acheter mes ingrédients, voir tout ce dont j'ai besoin pour créer mes pizzas. Puis on se retrouve dans un instant pour le gros du morceau qui va être de les cuisiner et de faire quelque chose qui peut fonctionner. Allons-y! J'ai déjà une petite idée d'une pizza que je veux faire, mais j'ai l'impression qu'il me manque un ingrédient. Fait que je te donne le choix live. Tu me dis n'importe quel ingrédient que je peux utiliser, puis je vais le rajouter sur ma pizza. Okay. N'importe quoi. Dragon, date clémentine, tu pourrais en faire une sucrée, genre. Qu'est-ce qui pourrait donner un petit pimp? Tomate, bacon, des petites chippettes de bacon. Là, genre, du bacon, tu le fais cuire, puis tu... Ouais, ok. Ah! T'as vraiment été gentille, t'aurais pu me dire genre boudin. Parce que, je sais pas si tu le sais, là, mais c'est toi qui fais un super soir. On mange la pizza. J'ai fini de préparer tous mes ingrédients. La pâte à pizza est bien prête et prête à être roulée. Fait que ça part, c'est là qu'on va commencer l'assemblage des pizzas. J'ai vraiment hâte. Et Chris, qu'est-ce qu'on attend? Je pense que ça va être mieux si je mets la croûte d'une pizza dans le four en premier parce que je veux faire une pizza dessert. Puis je suis pas sûre que du pitaya au four, ce soit très très bon. Fait que je me dis que si je la mets au four, puis après ça j'ajoute tous les ingrédients par-dessus la pâte déjà cuite, ça devrait être meilleur. Ben de la farine. On roule la pâte. Oh, notre croûte est bien belle. Regardez-moi ça, cette belle forme. On va mettre ça au four, puis c'est après ça qu'on va décorer notre pizza. Et puis là, on va commencer notre vraie de vraie pizza. Celle remplie de légumes. Et là, question de combiner la sauce à pizza et la moutarde de Dijon. Je me suis dit que j'allais faire moitié-moitié pour la pizza. Comme ça, il va avoir un côté avec la moutarde de Dijon qui va bien pouvoir se marier avec les autres ingrédients. Et même chose pour la sauce à pizza. On l'a l'affaire nous autres. Fait qu'on roule. Once again. C'est toujours un rituel de comme slap ma porte, genre.
J'ai aucune technique pour rouler ma pâte rapide, pour de vrai. Super, 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 super appétissant. Ça a pas l'air très, très bon vite de même, mais je vous jure qu'avec nos ingrédients de feu, ça va être bon. OK, je vous le dis. Fait que là, on va commencer par mettre la sauce. Puis pendant qu'on étale la sauce, on va partir notre bon bacon. Fait qu'on part notre bacon, on s'en va cuire ça. Ça va être bon, je vous le dis, ça va être bon. Je suis sûre que ça va être bon. Ça peut pas être pas bon, c'est du bacon, baby. Miam, du bon bacon. Notre bacon s'en va ici, dans la poêle. On ajoute ici un côté de moutarde de Dijon. Ça s'appelle du prochain ingrédient. Qu'on étale ici la sauce. Et là, on ajoute les ingrédients en commençant par un petit peu de bok choy qu'on va saupoudrer un petit peu partout comme ça. Ça va être spécial, je pense. Un petit peu ici de poivron vert. Miam, miam, miam. Je suis en train de montrer au stream ce qu'on fait. On coupe délicatement l'avocat. Et on en saupoudre un peu partout sur notre pizza. Ça va vraiment être une combinaison étrange. Je croyais que sur papier, ça sonnait bien, mais là, je le mets sur ma pizza et je trouve ça un petit peu bizarre. Notre bacon a l'air pas pire. Si on se prend une petite tranche pour nous. Ah, c'est bien trop chaud. Ow! Oh, le shit, c'est bon, ça. D'ailleurs, et on va en émietter un peu sur notre pizza. C'est sûr que ça manque un peu de fromage, hein? ça fait un petit peu plat. Fait que chat, mettons qu'on jase, là je m'adresse à vous, là, le stream. Est-ce que vous me donnez le droit de rajouter du fromage râpé? Live up, c'est live que vous décidez si j'ai le droit de rajouter du fromage râpé ou pas. Parce que là, je la regarde puis je trouve ça un petit peu boring. Beaucoup de fromage. Alright. Je vais en rajouter un petit peu, mais pas trop, juste un peu. Pizza numéro 1 faite, il manque juste à la faire cuire. Ça va être un défi par exemple. Faut que je prenne ma pizza puis que je la glisse sur ma plaque. Oh boy, ça va faire un dégât celui-là. Je suis bien ben stressée là. Tombe pas. Bon, non, c'est sûr que c'est grave. Ma pizza est toute en train de se défaire là, genre ça peut pas être beau. Là. Ça, c'est de l'estimarde. C'est fichu. C'est complètement raté. Il va falloir que je la refasse. On va refaire tout ça en vitesse. Je vais essayer de rouler ma pâte le plus possible. Checkez ça, le gros vieux tas de vomi esti là que j'ai. Ah! Oh, nasty! Écoutez ça, le son. Garnir. Regardez, guys, on va essayer de faire un gros tas avec la pâte. Vu que la sauce et la moutarde de Dijon sont déjà intégrées dans la pâte, ça va être facile de juste saupoudrer la garniture dessus. Ça va nous faire une bonne pizza. Ça va être dégueulasse. Je sais pas. En espérant que notre pizza dessert va être un petit peu mieux que ça, hein? Je vais commencer par aller faire fondre mes pépites de crème. Comme ça, ça va nous servir de sauce un peu. J'espère vraiment que ça va être un meilleur succès, disons, que l'autre. On va mettre par-dessus ma pizza une petite sauce aux pépites de crème. Iiii, je suis pas sûre pour de vrai. Je suis vraiment pas sûre. On a complété notre étape de sauce. Hein? Je vais saupoudrer un petit peu de cassonade. Ça a pas l'air super, mais gars. Ensuite, on a les pitayas. Un petit peu de couleur, ben oui. Ensuite, on met un petit peu de clémentine. Ouh, miam! Sincèrement, j'ai faim. Dernier ingrédient et non le moindre pour ajouter un petit peu de weirdness à notre pizza, tu sais. Des dates. On en est à l'étape de goûter la pizza. J'ai même pas hâte. Donc, on goûte juste à la croûte, là. For real, c'est bon. Juste la croûte chocolat blanc, puis pâte à pizza, ça en donne. Santé à la vôtre. Ugh. J'ai des frissons, baby. Comment décrire ça? Décollissant. On dirait un restant d'assiette au Allô mon coco mis sur une pâte à pizza. Exactement. Donc, guys, êtes-vous prêts à voir le monstre qu'on a créé? Non.
Ça a l'air bon, vous trouvez? Je pense que vous êtes juste weird, là. Petit rappel des ingrédients de la boule farcie. Sauce à pizza, moutarde de Dijon, bok choy, avocat, bacon, fromage cheddar. J'en oublie-tu un? Poivron vert. Allez, santé à vous, santé à moi. Bonne chance à moi, plutôt. Yo, c'est pas dégueu. C'est vraiment pas dégueu. What the fuck? C'est vraiment pas terrible. Ça goûte un peu comme le croissant de fromage. Je sais pas si c'est un goût familier, là, mais... C'est pas la pire pizza, mettons, entre les deux. C'est quand même très, très spécial. J'ai quand même une écœurantude de savoir comment ça a été fait, là. J'ai encore le son en background. Quelle aventure. Wow. Mais quelle aventure, guys! Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. On a enregistré cette vidéo en live sur Twitch. Si jamais ça vous tente d'aller me suivre sur Twitch et de ne pas manquer mes prochaines vidéos, si jamais ça me tente d'en refaire, eh bien, le lien va être dans la description. Puis moi, eh bien, je vous dis bonne journée, bonne semaine, bonne continuation. Et on se revoit dans une prochaine vidéo aussi délicieuse que celle-ci. J'ai mal au cœur. C'est dégueulasse. Allez, peace!